Alors pour la meringue, il va me falloir du sucre semoule, du blanc d'œuf et quelques gouttes de vinaigre blanc. Alors pour notre glace au Nutella, il va nous falloir du mascarpone, de la crème liquide bien froide et du Nutella. Alors on va commencer par monter nos blancs en neige. Donc là j'ai mis mes blancs d'œufs et je leur rajoute quelques gouttes, voilà, de vinaigre blanc. Voilà, pour avoir une préparation bien bien blanche. Et là je vais monter donc progressivement mes blancs. Voilà, je vais pouvoir rajouter donc le sucre petit à petit. Et là, je vais fouetter pendant à peu près 3 minutes pour bien serrer mes blancs. Donc ça y est, mes blancs sont bien fermes. Alors, je vais pouvoir les mettre en poche. Je vais récupérer donc le surplus de blanc. Voilà. Et là, je vais préparer donc une poche à douille avec une douille ronde. Donc je vais la remplir. Alors pour coller ma feuille, je vais mettre un petit peu de meringue donc sur ma plaque. Voilà. Et je vais donc coller ma feuille. Voilà, comme ça, elle ne volera pas dans le four. Alors ce qu'on peut faire, c'est donc prendre donc un verre et avec un crayon à papier, dessiner des ronds, c'est ce que j'ai fait là et j'ai retourné donc ma feuille pour éviter d'avoir justement la trace du crayon à papier sur la meringue. Comme ça vous donne une mesure. Donc là je vais faire sur cette plaque là, je vais faire des ronds. Alors pour faire les ronds, donc je pars du milieu et je tourne. Voilà, là j'ai mon premier rond. On va en faire un. Donc on presse légèrement. Voilà. Donc voilà pour ma première plaque. Et là, sur ma deuxième plaque, je vais faire juste des petits ronds avec une pointe. Voilà. Donc je presse, hop, et je soulève. Je presse, je soulève. Voilà, j'ai préchauffé donc mon four à 100 degrés. Et on est parti pour une cuisson d'à peu près 1 heure, 1h30. Il faut en fait que la meringue sèche et qu'on ait un cœur bien moelleux. Donc là, c'est parti pour la cuisson. Et on pense à laisser notre four entrouvert pour laisser échapper l'humidité. Alors dans mon saladier, je vais mettre du mascarpone. Voilà. Et de la crème liquide. Voilà. Et maintenant, je vais fouetter tout ça. Voilà, notre crème est bien ferme. On va pouvoir donc l'incorporer au Nutella. Voilà, je vais essayer de l'incorporer en deux ou trois fois. Voilà, on y va délicatement. Voilà, on passe en dessous et on soulève. Voilà, le but c'est d'obtenir quand même une crème qui soit bien aérée. Voilà, je vais tout mettre. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà, ça y est, on a obtenu la finesse souhaitée.
Donc je vais les remplir dans mes petits moules. Et ensuite, direction le congélateur. Donc ça y est, mes meringues sont cuites. Donc je les ai sorties du four et je vais les laisser donc bien refroidir avant de les décoller. Alors on va passer au montage. Donc l'astuce en fait, c'est de prendre notre glace au Nutella et de la mettre quelques secondes dans l'eau chaude. Voilà. Là, je l'essuie. Et je vais pouvoir donc la démouler. Alors pour la démouler, je passe donc un couteau ou une spatule sur le contour donc de mon moule. Et on va pouvoir passer donc au montage. Donc là, je prends un disque de meringue. Donc je le dispose sur mon assiette. Et là, je vais disposer par-dessus donc ma glace au Nutella. Alors l'idée, en fait, c'est de la sortir quand même 20 minutes avant le démoulage. Voilà. Et là, on va disposer par-dessus donc le chapeau. Alors si on le souhaite, on peut y mettre de la sauce chocolat. C'est pas mal du tout. Voilà, un dessert vraiment somptueux. Donc là, je vais passer à la dégustation. Alors, là, je vous montre la glace au Nutella de près. C'est quand même magique. On a mis du Nutella, du mascarpone et de la crème fouettée pour avoir ce résultat. Donc, on va goûter. Ah, c'est bien onctueux, bien frais. C'est pas trop sucré. C'est vraiment une recette super facile, hein.